Recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parcours sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La définition du jour avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Kanté Amoussou, l'expression ce matin, c'est passer l'arme à gauche. Effectivement, bonjour, amis internautes. L'expression de ce matin, voilà, c'est passer l'arme à gauche, qui signifie tout simplement mourir. Cette expression, ou du moins cette locution, provient du langage militaire. Au XVIIe siècle, quand les soldats devaient changer leur fusil, ils le tenaient de la main gauche afin de pouvoir utiliser leur main droite et être plus à l'aise. Cependant, les mouvements effectués étaient longs et nombreux, laissant les soldats vulnérables. Passer l'arme à gauche pouvait donc, à ces occasions, être synonyme de mourir. De plus, lors des funérailles avec les honneurs militaires, les soldats passaient leur arme à gauche, canon vers le sol, en signe de deuil et de respect envers le défunt. Enfin, le mot gauche a toujours une connotation négative. Et voilà, c'est tout pour l'expression de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Vous restez avec moi, on retrouve Atifa à la fin pour l'astuce du jour.